épisode célèbre. Bon, elle était devenue assez célèbre, hein, déjà, en tant que chanteuse, en tant que danseuse. Et tellement célèbre qu'elle a été invitée à la Maison Blanche en 1968, sous la présidence de Johnson. Et là, elle a osé se prononcer contre la guerre du Vietnam en expliquant qu'elle comprenait pourquoi les jeunes préféraient échapper à l'armée grâce à un casier judiciaire plutôt que d'aller se faire fusiller. Et donc c'est précisément à ce moment-là qu'elle a été mise à l'index aux États-Unis pendant plusieurs années. Donc voilà, c'était une pacifiste, c'était aussi une féministe et une défenseure des droits de la communauté LGBT. Ah, elle est née en 27 et elle est morte en 2008. Alors, je vais donc lire ma traduction après Damaris, c'est pas facile. Les dandys de Harlem ne sont taillés ni pour la mort ni pour les tenues de combat. L'amour noir absolu qui tressaille dans la gorge de Kit embrase son âme de Texan. Chaque lettre de mobilisation envoyée par Johnson est un lynchage, pourtant il parle de loyauté. Les dandys de Harlem ne sont taillés ni pour la mort ni pour les tenues de combat. Captifs enchaînés et soldats zombies de Saigon s'étirant en colonnes symétriques. Les yeux de Kit sont des pluies de balles, sa langue libre sur parole. Les dandys de Harlem ne sont taillés ni pour la mort ni pour les tenues de combat. L'amour noir absolu qui tressaille dans la gorge de Kit embrase l'âme de Johnson.